D'abord, on parle de cet épisode de pollution aux particules fines venues du Sahara qui ne faiblit pas. Un phénomène de plus en plus récurrent, couplé cette fois à une vague de chaleur. La Corse du Sud est toujours placée en vigilance jaune canicule jusqu'à ce soir minuit. Calitaire, pardon, ne prévoit pas d'amélioration de la situation avant ce week-end et appelle à la prudence. Les précisions de Nina Santi. Le ciel corse, encore voilé ce matin. On aperçoit à peine cet avion qui décolle d'Ajaccio. Une pollution aux particules fines provoquée par l'arrivée d'une masse d'air chargée de poussière du Sahara, un phénomène naturel qui arrive du sud et reste bloqué par les chaînes montagneuses dans le golfe d'Ajaccio. Depuis 3 ans, les spécialistes observent des épisodes plus longs et plus intenses. Le seuil d'alerte au niveau européen il est fixé à 80 microgrammes par mètre cube d'air sur une moyenne journalière. Pendant le week-end de Pâques, on a eu jusqu'à 217 microgrammes à mètre cube, donc presque plus de trois fois la valeur seuil. Et là, actuellement, sur la journée d'hier, on était aux alentours des 130-140 sur une moyenne journalière, notamment sur Ajaccio. Donc on dépasse très largement ce seuil-là, ce qui peut faire dire que voilà, il peut y avoir, même en ayant des particules d'origine naturelle, un impact sur la santé. Un impact sanitaire déploré depuis une vingtaine d'années par des associations et la Ligue contre le cancer. Ce médecin alerte. On ne parle de pollution que lorsqu'il y a les particules qui viennent du Sahara parce que ça obscurcit le ciel et effectivement là on a conscience qu'il se passe quelque chose. Mais ce sont des particules qui sont des particules de grande taille, c'est-à-dire donc des 12-5. Donc effectivement elles impactent, mais elles ne franchissent pas les poumons. Donc elles vont atteindre les gens qui ont des problèmes respiratoires, bien sûr, c'est quand même pas recommandé. Elle va, si vous voulez, masquer la vraie pollution, celle qui est quotidienne, qu'on ne voit pas parce qu'il fait beau, et qui est celle aux particules fines. Nous avons déjà mesuré, nous avons déjà alerté à plusieurs reprises, c'est celle des bateaux de croisière, c'est de la circulation automobile, bien entendu. Il est recommandé au public fragile de rester à domicile et aux sportifs d'éviter les activités à haute intensité. Le phénomène doit persister jusqu'à ce week-end au moins en s'évacuant vers la Haute-Corse. Le seuil d'alerte reste quant à lui fixé jusqu'à vendredi.